Super. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Yes. Moi aussi, ça va très, très bien. Mode activé. Bonjour à tous ceux et celles qui sont en ligne. On est heureux que vous soyez là, connectés. C'est un honneur pour moi que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. Mode activé. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on veut vous accompagner pour que vous puissiez continuer dans votre dévotionnel à vous approcher de Dieu durant cette série. C'est pour ça qu'on a fait un dévotionnel. Il y a un dévotionnel en ligne que vous pouvez accéder. Si tu vas sur notre site web, ça pop-up directement. Simplement, mettre ton nom, ton courriel, on peut t'envoyer un dévotionnel pour que tu puisses méditer sur mode activé. Comment activer un mode de vie prospère? Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire maintenant, à t'inscrire pour recevoir ce dévotionnel que nos pasteurs ont conçu pour pouvoir t'encourager durant ton temps avec Dieu. C'est bon? Activer un mode de vie prospère. Qu'est-ce qu'un mode de vie prospère? C'est une bonne question, parce que sa définition va déterminer comment on gère notre vie, comment on gère notre temps, comment on gère nos relations, nos finances, notre famille, etc., etc. Notre définition de ce que veut dire une vie prospère va former, va diriger comment on gère les différents aspects de notre vie. Et lorsque je parle à certaines personnes, que je regarde ce qui semble être propagé à travers nos médias et les réseaux sociaux, que je vois s'imprégner dans mes conversations, ce que je parle avec certaines personnes sur la définition d'une vie prospère, je suis souvent amené à voir quelques types d'exemples que j'aimerais te donner aujourd'hui, de qu'est-ce qui semble être prédéfini sur le mode de vie prospère aujourd'hui. Un exemple qui souvent m'emmène dans mes conversations, c'est être à la tête d'une compagnie, peu importe le prix. Même si ça prend d'être au travail 7 jours sur 7, dans un grind constamment, c'est comme si on te voit toujours occupé, ça veut dire que tu prospères. Parce qu'on désire ce sentiment d'accomplissement et aussi cette position. On perçoit peut-être la possibilité d'accumuler davantage d'argent, parce qu'avec davantage d'argent, on voit une plus grande liberté. Et cet idéal qu'on s'imagine semble être pour nous le mode de vie prospère. On vit pour la prochaine promotion, la prochaine augmentation, le prochain palier. Et nos décisions sont formées en lien avec cet objectif-là. Pour d'autres, une vie prospère, c'est la poursuite d'un certain idéal familial. Avoir la maison, avec le nombre de chambres précises, avec le beau terrain, avec un nombre d'enfants précis. Et notre vie est formée autour de pouvoir atteindre cet accomplissement de la famille qu'on désire. On est constamment sur les réseaux sociaux en train de publier certaines choses parce qu'on a à l'intérieur ce désir d'obtenir davantage de followers avec un objectif en tête qu'on veut accomplir et accumuler le plus de likes. Et là, on choisit les publications et comment on investit notre temps peut être formé en lien avec cette poursuite de l'approbation de notre monde. Et si je regarde même au niveau ministériel comme pasteur, si je peux être honnête avec vous, je peux être pris à l'idée que le mode de vie prospère serait pour moi que je sois toujours en train d'accomplir quelque chose. D'accumuler le plus de personnes possible pour être un ministère reconnu et répondre aux attentes de tous. Ça, c'est mon défi. De qu'est-ce qui pourrait être un mode de vie prospère qui semble être projeté dans mon entourage lui-même, encore plus personnel. Moi, j'ai le défi, quelquefois, de regarder les réseaux sociaux de d'autres pasteurs. Que quelquefois, il y en a qui semblent avoir une stratégie de réseaux sociaux impactante, puis ils savent comment faire ça. Et moi, ça m'a de même à avoir cet esprit de comparaison. Tu sais, des fois, je me demande, si je ne suis pas bon dans les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que je manque comme pasteur? Est-ce que, si je n'accumule pas plus de followers et de likes, est-ce que je manque à ma responsabilité? Vous voyez comment l'esprit de comparaison peut venir te ronger à l'intérieur? Et sans s'en rendre compte, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est qu'on a la tendance de laisser nos vies être formées par deux idoles sur lesquelles notre société est construite et qui est amplifiée par notre culture prégnante de marketing digital. Et ça, c'est l'idole de l'accumulation et de l'accomplissement.
notre monde est formé sur ces deux poursuites. À vouloir accumuler davantage et s'assurer que j'accomplisse le plus de choses possibles. Et si je peux faire ça dans mon travail, dans ma famille, avoir des succès, avoir des paliers que j'ai réussi à atteindre, si je continue constamment à poursuivre ça, c'est là que je vais avoir une vie prospère. Et sans s'en rendre compte, ce sont deux idoles sur lesquelles on dirige nos vies pour s'assurer qu'on accomplisse ces choses, d'accumuler davantage et s'assurer qu'on accomplisse le plus de choses possibles. Et maintenant, peut-être tu te demandes ce que je suis en train de dire. C'est mauvais d'avoir des ambitions? Non. Comme la semaine dernière, c'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Et j'encourage d'avoir des buts, j'encourage d'avoir des rêves. Mais ce qui est dangereux, c'est lorsque nos buts et nos ambitions deviennent les dieux qui forment et qui dirigent nos vies. Là est le danger. Et je dirais même que certains d'entre nous, on manque d'activer le mode de vie prospère parce qu'on a laissé les dieux de l'accomplissement et de l'accumulation diriger comment on vit nos vies. Tu sais, la semaine dernière, on a eu l'opportunité de partager sur le fait qu'il y a la fondation d'une vie prospère. Il faut réaliser qu'on n'est pas appelé à simplement vivre par la foi, mais bien par la foi en Christ. Et ça signifie qu'on décide d'être crucifié avec lui pour que notre vie puisse prendre la forme de la croix et que la grâce de l'Évangile puisse s'imprégner dans toute notre vie. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est continuer dans cette direction. Et on va continuer dans cette direction, sachant que pour activer le mode de vie prospère, suivre Jésus, il faut saisir des pratiques que Jésus faisait, qui l'emmenaient à vivre cette vie prospère. Et dans toutes les pratiques qu'il avait d'intégrer dans sa vie spirituelle, il y en a une que je crois qu'on néglige. Ou même qu'on ne pense plus qu'elle est importante aujourd'hui. Une pratique que j'avoue, moi-même, ne faisait pas partie de ma vie, pensant que c'est simplement quelque chose de l'Ancien Testament. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de penser à ça. Et c'est un sujet que j'aimerais nous amener à réfléchir, loin à vouloir l'imposer, mais je veux aujourd'hui qu'on prenne un temps de réflexion. Vous êtes prêts à prendre un temps de réflexion aujourd'hui? Qu'on puisse penser ensemble, maturer dans notre foi. Et c'est un sujet que je vous emmène à réflexion, parce que peut-être on a manqué le bénéfice de cette pratique. Et ça, c'est la pratique du sabbat. La pratique du sabbat. Et là vient le titre, c'est le temps qu'on s'arrête. Alors, c'est écrit un titre aujourd'hui, c'est le temps qu'on s'arrête. All right? C'est le temps qu'on s'arrête. Et j'aimerais pouvoir te proposer que peut-être, comme chrétien, on a laissé la poursuite du monde de l'accumulation et de l'accomplissement former nos vies, envahir et nous définir, ce qui nous a amené à adopter un rythme de vie basé sur le standard de nos contemporains. Sans réfléchir si cette poursuite était basée sur notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'une chose est certaine, c'est que Dieu a le désir que tu prospères. Et si on croit sincèrement, au plus profond de nous-mêmes, que Dieu désire qu'on prospère, eh bien, on va faire confiance complètement à notre bien-être à cœur. Et l'un des problèmes qu'on a quelquefois, c'est que nous avons des désirs à l'infini. Mais on a de la difficulté à accepter que nous sommes des êtres humains avec des limites. Et pour remarquer ça, on a toujours plus de désirs et ce désir à avoir plus de désirs, eh bien, va à une certaine capacité, mais on essaie de se pousser au-delà. Puis si tu regardes notre monde, c'est là que notre santé mentale chute. C'est là qu'on n'a plus d'énergie. C'est là qu'on est toujours en inquiétude, c'est là qu'on est toujours dans une agitation cancéreuse à l'intérieur de nous-mêmes. À toujours vouloir répondre à plus, accomplir plus, voir plus, accumuler plus de choses, accomplir plus de choses, sans réaliser que Dieu nous a créé avec des limites. Sans accepter le fait qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de s'arrêter. Mais notre monde nous forme dans un environnement comme si s'arrêter, c'est impossible. Comme si pour survivre, réussir, grandir, prospérer, ça prend qu'on soit toujours en train de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut regarder peut-être, je pourrais dire moi,
comme pasteur. Et là, on va regarder peut-être un chef de compagnie, puis on pourrait voir, OK, mais est-ce que le style de vie est différent? Est-ce que je peux regarder la famille chrétienne et non chrétienne et dire, y a-t-il un rythme de vie différent? Ou est-ce que c'est le rythme de vie le même? Est-ce qu'il y a une distinction dans la façon qu'on vit? Est-ce qu'on est toujours en train de marcher à un pas rapide? Parce que toujours une urgence, on est capable de marcher dans le repos. Parce que notre vie ne dépend plus simplement de nous. Est-ce qu'on est réellement appelé à vivre le rythme de notre vie, de nos contemporains? Parce que rappelons-nous une chose. On forme nos vies par rapport à notre poursuite et notre définition de mode de vie prospère. Aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, on forme nos vies selon ce que l'on pense être le bien-être pour nous. Right? On pense à un bien-être, on pense à un certain objectif, à un but de vie prospère, et on forme nos vies en conséquence de ce qu'on considère qui va pourvoir à notre besoin. Quelles sont ces idoles, cachées ou pas cachées, qui forment nos vies aujourd'hui? C'est pour ça que j'aimerais vous suggérer que Dieu nous appelle à avoir des disciplines spirituelles qui nous permettent d'activer un mode de vie prospère et que l'une de ces disciplines qu'on semble avoir délaissées, mais qui est importante, c'est la pratique du sabbat. Alors Seigneur, aujourd'hui, toi, tes enfants sont ici dans cette salle et en ligne aujourd'hui. Ils ont faim à apprendre davantage, ils ont faim de toi, ils ont faim de maturer dans la foi. Ils veulent baser leur vie sur toi. Tu es celui qui désire qu'on prospère à tous égards. Puisses-tu nous diriger, Saint-Esprit, à vivre d'une place de repos. Vive en toi pour qu'on puisse voir ta main agir au-delà de ce qu'on peut imaginer et même planifier. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus et tout le monde dit. Amen. All right, qu'est-ce que je veux dire par le sabbat? Le sabbat, c'est un jour de 24 heures pour s'arrêter. Très pratique. Un jour de 24 heures pour s'arrêter. Arrêter de faire du travail. Un jour pour arrêter de poursuivre, d'accomplir nos désirs. Un jour pour arrêter de s'inquiéter. Juste un jour pour s'arrêter. Un jour pour s'arrêter. Mais le sabbat, c'est plus qu'une journée d'arrêt. C'est une façon de vivre dans notre monde. C'est une discipline qui nous amène à vivre dans un esprit de repos, d'une place d'abondance, qui vient de vivre dans la présence de notre Père céleste toute la semaine. C'est une journée où on se fait caler sur deux choses, deux types d'activités que l'on fait durant ce jour-là. Un, c'est des activités qui amènent du repos pour notre âme, plus une vie d'adoration. C'est un jour où ce que l'on dit de s'arrêter, de s'inquiéter, et ce qu'on veut faire durant cette journée-là, c'est se reposer. Je sais, ça semble fou parce que c'est super pratique, mais c'est vrai. C'est une journée où, en tant que chrétien, on se dit, j'ai pas besoin de travailler constamment, j'ai pas besoin de constamment être sur la run, j'ai pas constamment d'être sur les études. Non, non, il y a une journée durant la semaine que j'arrête, que je dédie à Dieu, et je dis, Seigneur, j'arrête de m'inquiéter. Seigneur, je veux juste... Je veux vivre dans le repos. Je veux pas vivre comme si la vie dépendait simplement de moi. Je refuse de vivre selon les attentes de mon monde. Je veux vivre dans ta présence. Je veux vivre d'une place où je peux aller dans ma semaine. Et je commence ma semaine avec toi. Je suis avec toi. Une posture d'adoration. Et sabbat, c'était fondamental pour le judaïsme, si tu regardes la parole. C'était fondamental en tant que signe de la sanctification d'Israël parmi toutes les nations. Un, eh bien, le sabbat marquait une entrée joyeuse dans le temps sacré. Dans le fond, il commençait avec le sabbat, le temps du commencement, avant le travail humain. Et c'était aussi l'invitation du repos divin. Le sabbat permet au peuple d'honorer la sainteté de Dieu, parce que même au commencement, Dieu a déclaré le sabbat comme étant saint. Dès le commencement, dans la création du monde, Dieu l'a déclaré ainsi. Le sabbat aussi a permis au peuple d'honorer la sainteté de Dieu. Le sabbat a même séparé Israël des nations et a servi de rempart contre l'assimilation à la culture païenne. Dans le fond, c'était une distinction. Ils voyaient toutes les autres cultures toujours en train de travailler, jamais capables de se reposer, toujours en train de dire « j'accomplis ». Puis pour Israël, il était distinct. Pourquoi? Parce qu'il était capable de s'arrêter. Il était capable de dire, je peux laisser la terre dans le repos.
La récolte que j'ai semée, je peux la laisser se reposer. Avec ma famille, je peux prendre le temps de se réjouir. Je peux prendre le temps de contempler Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas simplement basé sur moi. Ce monde n'est pas basé sur mon accomplissement, ma perfection. Non, ce monde est basé sur Dieu. Sur l'œuvre que Christ a fait pour nous. Ça, c'est une révélation dans la Nouvelle Alliance. Ça a servi de rempart contre l'assimilation. C'était même vu le sabbat comme une profession de foi. C'est que leur foi déclarait que je peux m'arrêter. Même si c'était tellement important pour eux, c'est que profaner le sabbat, ça équivalait à déshonorer l'alliance, qu'on voit dans Ésaïe. Même ça disait que ça méritait la mort. Alors tu peux voir pourquoi quand ils voyaient Jésus qui semblait aller contre le sabbat, les pharisiens étaient tellement surpris parce que c'est comme « Non, faut pas que tu travailles. Faut pas que tu fasses ça. Pourquoi? » Pourquoi? Parce que dès le commencement, Dieu l'avait déclaré comme saint. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire, en train d'aller contre le sabbat? Il peut pas faire ça, c'est... Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'Israël ont multiplié les règles strictes liées à l'observance du sabbat. Et avec le temps, le cœur de pourquoi Dieu a créé le sabbat a été perdu. Parce que c'était devenu plus à obéir à un certain format qu'au lieu de simplement chercher à s'arrêter dans le repos de Dieu. C'était devenu une tâche et un fardeau au lieu d'être une libération. Et c'est ça qu'on va discuter davantage ensemble. Parce que certains... Aujourd'hui même, c'est bizarre, c'est comme Ben parle de sabbat. Qu'est-ce que tu veux dire, mon Ben? Il y a plusieurs raisons pourquoi le sabbat a été délaissé et j'aimerais pouvoir l'adresser. Adresser quelques-unes des raisons pourquoi. Un, je crois qu'on a arrêté le sabbat parce qu'on a eu une invasion de la culture occidentale, de la poursuite, de l'accomplissement et d'accumulation. Ça s'est infiltré dans notre foi. C'est venu nous envahir. À l'intérieur. On a accepté la définition d'une vie prospère comme si de ce qui nous est communiqué par notre culture occidentale, que par l'accomplissement de nos désirs, en ayant davantage d'accomplissement, en pouvant accumuler davantage, on va pouvoir vivre une vie prospère. Et que pour cette vie prospère, ça prend que je travaille constamment. Ça prend que je fasse 2 à 3 travails pour atteindre l'objectif que je me suis donné d'un certain standard de vie, pour pouvoir m'acheter une autre paire de souliers, plus de linge, des meilleures vacances, une plus grande maison, une promotion, etc. et etc. Un mode de vie prospère, c'est lorsque j'atteins tous mes objectifs et accomplis de grandes choses qui sont reconnues et applaudies par tous. Mais est-ce que c'est ce que Jésus nous appelle à poursuivre pour activer le mode de vie prospère qu'il désire pour toi et moi? La deuxième chose pourquoi on a arrêté ça, c'est parce qu'on veut pas être légaliste. Right? Et vous me suivez parce que je faisais partie de cette gang-là. Right? On ne veut pas être légaliste, on vit par la grâce. Mais ce qui est arrivé souvent, c'est de la grâce, c'est devenu une licence au lieu d'être une place où notre vie est réellement dédiée à Jésus. On a fait de la grâce, cette chose que je peux faire n'importe quoi parce que je suis sous la grâce. Alors, il n'y a aucune discipline à ma vie que je dois emmener parce que rien n'est basé sur moi. Et je dis, c'est vrai, rien n'est basé sur toi. Mais c'est pas vrai que si tu n'as pas une discipline de vie de prière spirituellement, tu ne seras pas en santé. N'est-ce pas vrai que si tu n'as pas une discipline de jeûne dans ta vie, bien, spirituellement, tu vas le sentir que tu ne seras pas en santé. Mais ce que j'aimerais suggérer, c'est que ça va faire partie de ces disciplines spirituelles. Que si on néglige de s'arrêter, on va voir qu'on n'est pas en santé. On va voir qu'on ne prospère pas réellement comme Dieu désire qu'on prospère. Et je comprends ce raisonnement parce que même j'ai des passages qu'aujourd'hui je veux adresser au Nouveau Testament qu'on va lire et on va se dire « Ah, Dieu ne veut pas qu'on prenne un jour de congé. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête. Parce que si on s'arrête dans la parole, ça parle de ça. » Et je veux démystifier ces passages pour qu'aujourd'hui on reprenne ce cadeau de la part de Dieu. Amen. Romains 14, 5 à 6. Ça dit « Pour une personne, certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que pour une autre, ils sont tous pareils. Que chacun soit bien convaincu de ce qu'il pense. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait également pour honorer le Seigneur et elle aussi remercie Dieu. » Alors on voit ici, Paul parle de l'observance de jours sacrés pour souligner le point que les jugements humains sur de telles questions ne reflètent pas nécessairement les jugements divins sur la personne.
Alors, l'idée de jour sacré se porte probablement sur l'observance du sabbat, des fêtes juives comme la Pâque et la Pentecôte. Et le sabbat était enraciné dans la création, qu'on voit dans Genèse 2. C'était commandé dans le Décalogue, dans Exode 20, Deutéronome 5. Ça faisait partie du cadre de l'Alliance d'Israël dans Exode 31. Et c'était même reconnu par les païens comme une habitude distincte du peuple juif. En même temps, on se demande, peut-être que dans ce passage-là, Paul parlait qu'il y avait certains croyants romains qui, eux, observaient les fêtes romaines ou leur accordaient une certaine importance. Et là, la situation est qu'une personne observe ses jours solennels, tandis que d'autres considèrent que tous les jours sont d'une sainteté égale. Mais remarque que Paul ne rend pas de jugement pour ou contre l'observation des jours. Il est entièrement neutre quant à savoir si c'est bon ou mauvais, ou bénéfique, ou dénué de sens. Il soutient plutôt que chaque personne, écoute bien, devrait être pleinement convaincue dans son esprit de ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Tous les croyants devraient être pleinement convaincus dans leur propre esprit de la justesse, de l'observance ou non des jours sacrés. Ainsi, en matière de dispute, ils doivent suivre leur conscience et se fier à l'instinct de leur conviction. En d'autres mots, le sabbat n'est pas un prérequis pour le salut. Right? Alors, c'est pas dire « tu es sauvé parce que tu te reposes », right? C'est pas... C'est ce qu'il dit ici. Il dit non. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, ils étaient très rigides. Faut penser au contexte. C'était des personnes qui étaient habituées que pour être acceptées et sauvées, ça prenait de suivre un certain cadrage. Il y avait un cadrage qu'ils avaient accumulé à plusieurs règles. Et ce qu'il est en train de dénoncer ici, c'est non, tu n'es pas sauvé par le respect précis du cadrage. Tu es sauvé par l'œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, pour tout le monde qui était confus, ça, c'est notre fondation. Right? On est sauvé par la grâce de Dieu. Mais ça ne dit pas que le sabbat n'est pas une pratique qui pourrait être bénéfique pour le chrétien d'établir comme un acte de reconnaissance et de confiance envers Dieu. Alors, ce n'est pas une question de quel jour de la semaine, mais plutôt du cœur en arrière de l'action. Et dans le fond, on se demandait la question, pourquoi est-ce que je vis de la façon que je vis? Pourquoi est-ce que je ne semble jamais avoir un break? Pourquoi réellement, tu vas au plus profond de toi-même? Pour tous ceux qui sont là, parce que j'en parle, beaucoup de personnes qu'on dirait, c'est comme, puis, comment ça va? Ah, je suis occupé. Je suis occupé, mais OK, occupé, mais pourquoi tu es constamment occupé? Qui t'a obligé d'être constamment occupé? Qu'est-ce qui t'a forcé à constamment? Est-ce que c'est vraiment le travail qui te force à être constamment occupé ou est-ce que tu n'as pas pris le temps d'établir des limites? À établir un rythme de vie où est-ce que tu as le temps de contempler Dieu? Tu sais, quand je n'ai pas le temps de faire mon dévotionnel, tu n'as pas le temps de prendre un temps avec Dieu, de t'arrêter, de respirer. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu veut que tu vis une vie sans respire? Est-ce qu'une vie prospère veut dire que je suis en mauvaise santé physiquement, mentalement, spirituellement, mais j'ai de l'argent dans le compte? Est-ce que ça, c'est vraiment l'objectif pourquoi Dieu nous a créés ensemble, qui me définit comme une vie prospère? Galates 4, 10, 11 aussi dit, « Vous observez religieusement certains jours, certains mois, certaines saisons et certaines années. » Mais vous m'inquiétez. Toute la peine que je me suis donnée pour vous serait-il inutile? Fait que même là, on pourrait dire, ah, ça veut dire que non, il ne faut pas respecter de jour, il faut oublier ces affaires-là, parce que même il dit, n'est-ce pas inutile? Parce qu'ici, il parle des fêtes et cérémonies du calendrier religieux juif. Ou ce que, écoute bien, c'est parce que les Galates, d'origine non-juive, les respectaient comme si cela pouvait leur gagner la faveur de Dieu. Alors, il faut comprendre le contexte. Ils leur adressent parce qu'ils disent, « Vous, les Galates qui arrivent ici et qui voient cette observance de la fête, ne pensez pas qu'observer le sabbat va vous gagner la faveur de Dieu. » Non! Cette observance ne vous gagne pas la faveur de Dieu, ça reste l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui nous permet d'avoir la grâce de Dieu. Pas l'observance des actions que l'on fait, mais l'œuvre qui le fait pour nous. Parce qu'au cœur du sabbat, ce n'est pas d'obtenir la faveur de Dieu, ni une question d'obtenir le salut. Alors certainement, ce n'est pas une question de l'instaurer pensant que c'est le moyen d'obtenir la faveur de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas ça que j'encourage. Je ne suis pas en train de dire « observe le sabbat parce que ainsi Dieu va te donner sa faveur ». Non, loin d'être là.
parce que sinon, ça va contre l'Évangile. All right? Et Colossiens 2, 16, 19, ça dit, « Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou de jour de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des bienvenirs. Mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures, soi-disant humbles et au culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon toute humaine de penser. Et ils ne restent pas attachés au Christ qui est à la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et qu'il est bien uni par des jointures et ses articulations. Ainsi, il grandit comme Dieu le veut. » Alors, on voit Paul se réfère ici à tout système qui fait dépendre le salut de l'observance de certains tabous alimentaires. Alors, voyez un peu le contexte à qui il s'adresse. Ou d'un attachement rigide à l'observation de certains jours appelés sacrés. Les Juifs étaient coupables d'agir ainsi. Et une telle façon d'envisager les choses peut fort bien avoir été partagée par des faux docteurs de leur temps. Alors, Paul pense au contraste entre ombre et réalité comme une illustration appropriée du rapport entre une religion ritualiste et Jésus-Christ. Alors, quels que soient les symboles utilisés, on ne doit jamais faire l'erreur de les prendre pour la réalité. Et c'est ça ici que Paul adresse. Colossiens condamne carrément ceux qui utilisent le manger et le boire et l'observation de jours de fête pour porter un jugement sur les autres. Paul refute les étrangers qui utilisent ces questions pour dénigrer les chrétiens. Alors, ses opposants se sont apparemment arrogé le rôle de déterminer qui appartenait au peuple élu de Dieu et qui n'en faisait pas partie. Alors, selon leur observance de rites religieux, c'est là que je peux savoir si c'est un chrétien ou pas un chrétien, mais la réalité, c'est comme non! Ils utilisaient le respect des lois alimentaires et des jours sacrés comme faisant partie de leurs critères pour trancher cette question. Et c'est ça que Paul adresse et dit, non, ça, c'est pas le critère du chrétien. Le critère du chrétien, c'est l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ par la croix. C'est le don de grâce de Dieu qui est là. Alors, il faut prendre conscience de l'audience qui est adressée lorsqu'on regarde le texte pour pas simplement penser qu'il parle directement à nous. Vous me suivez? Les passages font affaire à une culture qui est religieuse, qui avait l'habitude que leur qualification, leur salut, était en lien avec l'obéissance de la loi, qui incluait le sabbat. Mais cette approche légaliste et religieuse était dénoncée par les auteurs du Nouveau Testament parce que rien d'autre nous sauve, ce n'est la grâce de Jésus-Christ. Mais l'idée du sabbat, en soi, n'est pas dénoncée. Alors, vous voyez ce que je viens de faire ici? C'est quelquefois, on dit « throw the water with the baby ». La fin de même, là. Tu prends une chose, mais tu jettes tout de l'autre côté. Tu oublies qu'il y a des éléments qui sont des cadeaux de Dieu que Dieu a mis dans le monde, instaurés dans le rythme de la création pour qu'on puisse vivre une vie prospère. Et on a pris tout et on fait juste « fou ». Et on a oublié qu'il y a des bénédictions que Dieu a mis dans la parole qui sont encore applicables pour aujourd'hui. Mais aussi, une troisième raison, et ça, je veux l'adresser, c'est une mauvaise interprétation de ce que Jésus voulait dire dans Marc 2, 23-27. Ouf! Ça va être intéressant. C'est dit ici, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, oh, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Un jour où il se trouvait dans le besoin parce que lui-même et ses compagnons avaient faim, il entra dans la maison de Dieu au temps de grand prêtre Abiathar et il mangeait les pains offerts à Dieu que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains et non les êtres humains pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors, on peut voir ici les pharisiens qui semblent fonctionner ici comme une sorte de police religieuse, right? Aperçoivent les disciples en train de cueillir du grain lorsqu'ils se promènent dans un champ. Et la loi permettait en réalité à quiconque, en particulier les nécessiteux, de cueillir des épis dans le champ de céréales sur pied d'un voisin tant qu'on n'utilisait pas de fossé. Là, c'est un détail, ça, Deutéronome 23. Mais les pharisiens auraient classé cela comme une récolte.
ce qui, pour eux, selon toutes les lois qu'ils avaient ajoutées, était une violation de la loi. Et là, cette négligence des disciples de Jésus dans ces domaines, que ce soit à cause de l'ignorance ou du laxisme, se reflète négativement. Et c'est là qu'eux y arrivent et mettent en question. Jésus emmène cette chose comme, « N'est-ce pas que tu es supposé être l'enseignant? Comment tes disciples osent briser les lois du sabbat? » Mais la partie qui est importante, et je veux qu'on puisse vraiment saisir, c'est le premier, que Dieu a créé l'idée du sabbat pour le bien-être des humains. Et non l'inverse. Dieu a créé le sabbat depuis le commencement de la parole divine du sabbat. Même Dieu lui-même dit qu'il a pris du repos. Dieu voulait le sabbat soit, écoute bien, un don gracieux, une libération de la nécessité d'un labeur de 7 jours. De sorte que quiconque interprète la loi comme faisant du sabbat un fardeau ou comme empêchant le libre cours de la miséricorde de Dieu, révèle simplement sa propre ignorance de Dieu et de ses desseins. Alors, la priorité des besoins humains, elle porte toujours sur la nécessité pour les humains de se conformer aux formalités rituelles. Les pharisiens diraient que si les disciples n'avaient pas de nourriture préparée pour le sabbat, eh bien, ils devraient s'en passer. Alors, vous voyez comment c'était rendu, c'était même plus pour le bien-être de l'être humain, c'était rendu, non, il faut qu'on respecte parce que nous, on est de même. Mais la réalité, sinon, c'est pour ton bien-être. C'est pour que tu te reposes. Quand c'est rendu que tu penses à l'idée du jour du sabbat, tu peux même plus être reposé parce que tu es tellement stressé de t'assurer de respecter toutes les lois. Dans le fond, tu as oublié le cœur de Dieu en arrière de pourquoi il le fait. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu a fait n'est pas encore bon pour aujourd'hui. Alors, Jésus n'est pas venu abolir l'idée du sabbat, mais il est venu restituer le cœur de pourquoi Dieu a créé le sabbat. Est-ce que vous me suivez ici? Yeah. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, dans le rythme même de Jésus, il y avait cette pratique du repos. Jésus lui-même pratiquait le sabbat. Chaque semaine, une journée complète, mis de côté pour ralentir et s'arrêter. Notre Sauveur, celui qu'on veut suivre, celui qu'on dit, si je te suis, la vie prospère, que si je suis ta vie, je devrais être capable de prospérer en toi. Prenez le temps de s'arrêter. Alors, à combien plus est-ce que nous devrions établir un rythme où qu'au moins qu'en 24 heures, on est capable de dire « pause ». Pause. Parce qu'aujourd'hui, après des milliers d'années, on a lu et on a relu ce passage, mais souvent on l'a mal interprété. Dans le contexte, Jésus combattait leur attitude légalistique, focalisée sur la honte religieuse qui manquait totalement le cœur de Dieu en arrière du commandement de ralentir une journée. Traduction, ça c'est une culture qui est totalement opposée à la nôtre. Pensez-y, on est loin d'être légaliste là. Ce que je veux dire, une culture, les Juifs du premier siècle avaient besoin d'entendre la deuxième partie, que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on n'est pas légaliste envers le sabbat. Loin de là. Plusieurs d'entre nous, on ne pense même pas à l'idée du sabbat. Alors, on ne peut pas prendre ça comme si ça s'adressait à nous, parce que notre culture, on n'est pas comme les Juifs, avec déjà l'idée préconçue du sabbat comme une règle qu'on doit établir. Aujourd'hui, non. Je veux dire, un jour off, de temps en temps. Si je suis capable de m'arrêter, si mon environnement me le permet, le dimanche, aller louer Dieu, chaque semaine, quand je suis libre. Quand je suis libre. Tu sais, aujourd'hui, avant, c'était non. Alors, eux, ils adressaient le monde qui était tout, 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 tout. Mais nous, aujourd'hui, on est de l'autre extrême. On n'a plus de discipline. On a pris la grâce comme un moyen de se débarrasser d'une vie de discipline. Mais ce que je veux nous rappeler aujourd'hui, c'est que notre discipline spirituelle n'est certainement pas un moyen pour la grâce de Dieu, pour nous sauver, mais c'est un moyen de bénéficier de la grâce de Dieu aujourd'hui. Et souvent, plusieurs d'entre nous, on s'est fait voler du repos parce qu'on a vécu un rythme que le monde nous impose
pensant, puis c'est comme, Jésus est mon repos, mais je me sens pas reposé. Je prends pas le temps de bien dormir. Je prends pas le temps de me reposer. J'ai jamais le temps de m'arrêter. Seigneur, sois mon repos. Mais Jésus a dit, tu es mon disciple, oui, suis-moi. Et me suivre, c'est quoi? Imite ce que je fais. Et le sauveur du monde, le créateur de l'univers, a dit, pose le septième jour. Lui-même a vu le bénéfice de s'arrêter. Il y a une citation que j'aimerais te lire, qui dit ceci. Le sabbat a été largement oublié par l'Église, qui a imité sans critique les rites des Occidents industriels et obsédé par le succès. Le résultat, nos églises sont fatiguées et épuisées. Elles ont largement échoué à intégrer le sabbat dans leur vie comme élément fondamental du discipulat chrétien. Ce n'est pas comme si nous n'aimions pas Dieu. On aime Dieu profondément, mais on ne sait plus tout simplement comment simplement s'asseoir plus avec Dieu. On est habitué de partir sur la run, il y a toujours plus, il faut faire plus, il faut faire plus. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire? Toujours, toujours plus. Plus de quoi? Plus au travail, plus pour la maison, plus ou plus de lui. Plus de repos, plus de sa puissance, plus de sa grâce, plus de la restitution de la relation avec Dieu, plus de sa grandeur, plus de sa gloire, plus... Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est que le sabbat est un cadeau de Dieu qui nous enseigne à vivre d'une place de repos au lieu d'être une place d'agitation cancéreuse. Écoute bien, écoute-moi bien. S'arrêter avec Dieu nous permet d'être capable d'avancer avec lui. S'arrêter avec Dieu nous permet d'être capable d'avancer avec lui. Mais plusieurs d'entre nous, ce qu'on veut faire, c'est avancer avec lui. Mais on a oublié de s'arrêter avec lui. Et ce que j'aimerais nous encourager comme Église, comme chrétien, comme communauté, c'est d'apprendre à s'arrêter avec Dieu. Parce que même dans Genèse, ça parle de ça. Ça dit, ainsi furent achevés les cieux, la terre, tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout le travail accompli. Il fit ce septième jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création. Alors, deux choses que Dieu avait déclarées sur le sabbat dès le début. Ça, c'est avant les 10 commandements. Ça, c'est avant la loi. Ça, c'est dans la parole. Ça dit que Dieu veut nous ramener au commencement où il était avec nous. Fait qu'imagine, dans l'idéal, Dieu avait instauré le repos. Un septième jour où ce que là, à la fin, dans l'Apocalypse, ça parle de la restitution du monde, de la nouvelle création qui inclut d'être capable de se reposer. Alors, si nous avons l'objectif d'atteindre ça, il faut penser à ce que Dieu a dit au niveau du sabbat. Il a dit, un, il était béni. Il a béni ce jour. Et qu'est-ce qu'on veut dire par béni? Dans le fond, c'est une source de vie. C'est une source de vie. Dieu a béni l'être humain. Dieu a béni les animaux pour qu'ils puissent se multiplier. Alors, dans le fond, il a même béni, la même façon que béni l'être humain et les animaux, il a béni le jour de repos. Dans le fond, pour que je puisse voir les fruits de l'Esprit, les fruits du royaume de Dieu, ça prend que je puisse être capable de m'arrêter avec Dieu. Parce que je ne peux pas simplement poursuivre constamment sans m'arrêter, pensant que les fruits de l'Esprit vont popper out of the blue. Je dois être capable de m'arrêter. Et la deuxième chose, il a déclaré ce jour comme saint, mis à part. Ça veut dire, oui, c'est de dédier une journée, 24 heures, de dire, tu sais quoi, Seigneur, je te donne cette journée. Ça veut dire que je ne lui donne pas ma vie au complet? Non, tu lui donnes toute ta vie. Mais il y a une journée où ce que tu t'arrêtes et tu te dis, tu sais quoi, je vais arrêter de m'inquiéter, je vais arrêter de travailler. Je veux juste être avec Dieu. Je veux contempler sa merveille. Je veux contempler sa création. Je ne veux pas être dirigé par tout ce qui se passe, je veux être capable de vivre en lui. En réalité, c'est lorsque l'on se bat contre ce rythme que Dieu établit depuis le commencement qu'on peut voir comment ça affecte notre santé mentale, physique et spirituelle. On peut le voir même avec la pandémie. Pensez-y, au début, on avait un certain rythme. Là, finalement, ça a été tout brisé. Même avant, notre rythme au début n'était pas bon, mais avec la pandémie, ça l'a empiré. Comment? On peut être honnête avec ça. Là. Puis là, ça venait attaquer notre santé mentale, notre santé physique. Puis c'est comme le travail, ça commençait même à 6 heures du matin. Puis ça finissait à 9 heures du soir, je ne sais pas. Puis là, on est constamment au travail, même à la maison. Puis là, c'est sur l'ordi parce que le travail envahit ta maison. Puis là, il n'y a plus de limite.
Puis on est comme, faut qu'on y aille. Mais as-tu réalisé comment que... Ça me gagne un coco, ça. Right? Et personnellement, j'ai vécu ça. J'ai vécu durant la pandémie, surtout la première année. Je veux dire, comme pasteur, je pouvais avoir l'impression que pour que l'Église puisse avancer, bien, je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il fallait faire les ajustements, il fallait changer nos méthodes, réfléchir à la structure pour pouvoir continuer de mieux servir le monde, régler les conflits constants. Et je vous avoue que cela m'amenait à tirer de l'énergie constamment. Et avec le fait que tout est en ligne, que le monde te compare constamment à l'Église de gauche puis à l'Église de droite, tu essaies de donner la meilleure version de toi-même. Mais j'avais simplement l'impression que je devais remplir les attentes du monde qui m'emmenait à oublier les attentes de Dieu. Même ma femme me le disait, que je devais mettre des limites. Mais je pensais être capable. Je sais tellement qu'il y en a d'autres qui sont comme, « Non, je suis capable! Hein? » Il y en a qui sont coupables comme moi là-dessus. Puis j'avais l'impression de m'assurer, puis je devais aussi la pression de m'assurer que ma femme allait bien. J'avais accueilli mon fils nouveau-né, etc. Et il y a un moment où mon corps n'en pouvait plus. Spirituellement, je me sentais neutre. Ma santé mentale n'allait pas bien. Et je suis certain que plusieurs d'entre nous, vous savez ce que je veux dire. Vous savez ce que je veux dire. Car vous aussi, vous avez vécu cela. Puis vous avez même continué. Peut-être qu'aujourd'hui, tu continues. Parce que simplement, tu ne sais pas comment arrêter. Ou peut-être que tu n'oses même pas arrêter. Parce qu'on est tous pris par cette pression sociale de courant rapide. Mais c'est là que j'ai prié, Seigneur, que je savais que ce rythme de vie, ça ne pouvait pas se tenir à long terme. Je ne pouvais pas croire que dans la promesse du royaume de Dieu, ça promet de vivre de cette façon-là. Ça n'honorait pas Dieu. Et là, je me suis posé la question, si Dieu m'appelait à renouveler, comment Dieu m'appelait à renouveler mes forces? J'acceptais que Jésus est mon repos, mais mon corps n'était pas reposé et mon âme non plus. Et c'est là qu'à travers le temps de prière de lecture, que j'ai cru que Saint-Esprit est arrivé me diriger vers cette réalité du sabbat, où ça prend qu'on se repose. Ça prend qu'on s'arrête. Ça prend qu'on se réjouisse d'être assis avec lui. Exode 28 dit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. » Et malgré tout ça, il y en a encore qui sont comme moi, mais on dirait que j'ai encore la réticence. C'est-à-dire, vraiment 24 heures pour t'arrêter. Ben, tu me mets-tu vraiment le défi de m'arrêter pour 24 heures? Il y a encore la réticence malgré tout ce que je peux dire dans la parole qui nous encourage tout de même à le faire. Mais je veux dire pourquoi. Il y a une raison. C'est qu'on a peur de ce qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de nous si on prendrait le temps de s'arrêter. C'est facile de camoufler ce qui se passe à l'intérieur de nous si on a tout le temps du bruit, tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps occupé, jamais le temps de s'arrêter. On n'a pas le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. La honte est un sentiment douloureux ou une expérience que nous sommes fondamentalement brisés, défectueux, indignes et déficients de façon fondamentale comme être humain. Alors on travaille plus fort et encore plus fort. Peut-être si je traverse cette prochaine colline au travail, là je me sentirai mieux. Et là les choses vont devenir plus relaxes. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'arrêter. Tu sais, sabbat, ça peut être terrifiant parce que rien faire de productif, ça nous laisse nous sentir vulnérables. On peut se sentir exposé émotionnellement, nu devant Dieu et les autres. De travail en surplus peut venir cacher nos sentiments d'insuffisance ou d'inutilité, pas simplement de la part des autres, mais aussi de nous-mêmes. Et tant aussi longtemps qu'on se garde occupé, on peut camoufler la voix interne qui dit des choses comme « Je ne suis pas assez. Je ne suis jamais assez en sécurité. Je ne suis pas assez parfait. Je ne suis pas assez extraordinaire. Je n'ai pas assez de succès. » Je ne sais pas si tu reconnais cette voix-là. Trop de chrétiens utilisent l'addiction à leur travail pour courir de ces messages qui emmènent la honte. Et ça, je fais partie d'eux. De pourquoi l'importance de ça. Une deuxième raison, c'est qu'on a une idée distorsionnée de notre identité. Même dans notre culture, on va dire quoi? C'est « Ah, bonjour, ça va bien? Oui, c'est quoi ton travail? C'est quoi tu fais dans la vie? As-tu réalisé que notre identité est reliée à ce qu'on fait? » Et parce que notre identité est reliée à ce qu'on fait, on a de la difficulté à s'arrêter de faire. Parce qu'on pense que faire est ce que nous sommes. Et au début, on est des faire humains au lieu d'être des êtres humains. On oublie que Dieu nous a créés comme des êtres humains, premièrement. Que
que Dieu, oui, est un Dieu de travail, et oui, le travail est une bénédiction, jusqu'à ce que le travail prenne la place de Dieu. Jusqu'à ce que faire vienne détrôner Dieu du trône de la grâce. C'est pour cela que je veux te suggérer, t'encourager à réfléchir aujourd'hui. De vraiment façon pratique. Tu sais, sors pas aujourd'hui juste comme c'est un autre enseignement. Juste pense-y. Inclure le sabbat dans ta semaine, dans ton mode de vie. De t'arrêter. Tu sais, pense à une journée de 24 heures et pense à qu'est-ce qui pourrait nourrir ton âme d'une joie profonde durant cette journée-là. Pense, qu'est-ce qui me rendrait spontanément embrasé d'émerveillement, d'admiration, de gratitude et de louange. Pense à un jour que tu pourrais dédier à Dieu pour te réjouir. Un jour que on joue, on mange, on danse, on passe le bon temps avec notre femme et notre mari, au lit. Amen. Yes, come on! On chante, on prie, on rit, on raconte des histoires, on peint, on marche, on prend le temps d'admirer la création de Dieu. Dans le fond, imaginez si tous on aurait un jour où on s'arrête pour simplement se réjouir. Arrêtez de s'inquiéter. Parce que dans ce jour-là, on témoigne que notre foi est basée en Dieu. C'est pour ça qu'il y a quatre caractéristiques. Et j'ai fini. Quatre caractéristiques pour penser à le jour du sabbat. Un. Arrêter, right? Un jour où on s'arrête, 24 heures où on s'arrête. Arrête de faire du travail. Arrêtez de faire les choses qui ne nous amènent pas du repos. Dites, tu sais quoi? En tant que famille, on s'arrête. Si toute ta famille est chrétienne, faites-le ensemble. On s'arrête ensemble, on arrête. On va se réjouir avec Dieu. Si tu es seul chrétien, prends-toi une journée de dire, tu sais quoi, cette journée-là, je m'arrête de faire les choses qui m'enlèvent d'une énergie et j'accepte mes limites. La deuxième chose, faire des choses qui amènent du repos. Qu'est-ce qui te repose? Aller prendre une marche, lire un livre, prendre une deuxième sieste durant la journée, come on. Qu'est-ce qui t'amène du repos? Voir ta famille, manger, te réjouir. Qu'est-ce qui t'amène du repos? La troisième chose, tout ce qui amène à te réjouir. La même chose que Dieu a dit, ce que vu la création, il a pu dire, ça, c'est bon. Pas juste genre, ah, c'est bon comme une idée. Non, il a pu se réjouir de la création. Qu'est-ce qui t'amène à te réjouir? Qu'est-ce qui amène à te réjouir? Faire ça comme une célébration. Et quatrièmement, contempler. Juste prendre le temps de contempler Dieu. Et là, je ne suis pas en train de dire que toute la journée, pendant 24 heures, tu lis ta Bible. Okay? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais oui, ça fait partie des pratiques du jour du sabbat, de prendre le temps de lire ta parole, le temps de prière. Mais peut-être c'est d'aller à l'extérieur et de contempler la belle création de Dieu. De dire, wow, ça prend tout un créateur pour créer cette terre. Le fait qu'il a créé tout l'univers. Prendre le temps de contempler ta famille et dire que, oh Seigneur, Dieu me bénit avec cette famille-là. Tes enfants, ton mari, ta femme. Prendre le temps de te réjouir. Et voici ma citation qui finit la fin. Une des raisons pourquoi nous sommes malheureux vient du fait que l'on compare nos vies, nos amis, nos amours, nos engagements, nos responsabilités, nos corps et notre sexualité à une certaine vision idéale non chrétienne des choses qui nous donnent une fausse assurance. Et quand cela arrive, et c'est le cas, nos tensions commencent à nous rendre fous, dans un état d'agitation cancéreuse. Mais le vrai repos, c'est une forme de conscience, une manière d'être dans la vie. C'est d'être capable de vivre notre vie ordinaire, avec une aisance, une gratitude, une appréciation, une paix et une prière. Nous sommes dans le repos lorsque nous sommes satisfaits même dans l'ordinaire. Lorsqu'on est capable dans l'ordinaire de voir Dieu agir, on est capable de voir sa fidélité, on est capable de voir sa bonté, que c'est à propos qu'on ne prouve rien au monde, mais que Dieu est bon. Parce que le sabbat révèle que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Que la première œuvre que Dieu m'a demandé de faire, premièrement, c'est que je fasse confiance en Jésus.
comme Jean 6 le mentionne. Et si tu es connecté pour la première fois aujourd'hui, et si tu es là, ici dans la salle, c'est là pour la première fois, je vais t'inviter à faire partie de ce que Dieu a établi à travers Jésus-Christ par le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il a établi, il a entré à ce que l'on puisse avoir une relation avec lui, que par cette grâce, cette relation avec Dieu est sortie de notre vie de péché, où ce qui nous amène à dire on n'a pas à vivre comme le monde vit, il y a une alternative. C'est la première fois ici, il y a une alternative à ta vie. Tu n'as pas à vivre sous la pression de devoir subvenir à tous tes besoins. Tu n'as pas assez de vivre comme si tu étais Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse-le sortir de cette angoisse. Laisse-le te sortir de ce manque. Laisse-le te sortir de ce stress, de cette agitation constante. Laisse-le être ta source de vie. Laisse-le être le Seigneur de ta vie. Et c'est pour ça qu'avant toute chose, avant de prendre une journée off ou de pratiquer le sabbat, ça prend d'accepter la source de notre repos. Ça prend d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si c'est toi, tu es ici, c'est la première fois que tu es là, connecté en ligne ou dans la salle, je veux te donner l'opportunité de faire cette prière qui va inviter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça fait longtemps que tu es ici. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Mais que tu es là et tu veux renouer avec Dieu cette relation. Cette prière est aussi pour toi. Prions ensemble. Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Prends tout ce que je suis. Guéris-moi. J'accepte ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi. Emmène-moi à grandir en intimité et en maturité en toi et dans la communauté du corps de Christ. Amen. Et amen. Amen. Et si c'est la première fois que tu as fait cette prière, je veux dire félicitations tout le monde. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus en ligne, dans la salle? C'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Et c'est pour ça qu'on veut honorer ce nouveau départ. Si tu es en ligne, va sur notre site web mcgc.ca, clique sur « J'ai dit oui à Jésus » pour que ainsi tu puisses remplir le formulaire et qu'on puisse t'envoyer un cadeau. Si tu es dans la salle, vois à ma droite, première visite, assure-toi de t'arrêter parce qu'on a un cadeau à t'offrir pour marquer ce nouveau jour. All right! On a réussi, on a fini. On y est arrivé. Alors pour commencer, juste mettre ça en pratique aujourd'hui avant qu'on parte. Prends le temps simplement de mettre un jour à part. Je te donne le défi. Mets un jour à part. Libère ton horaire. Prends une journée où ce que tu mets ton sel à ne pas déranger. Dis une prière pour inviter le Saint-Esprit à faire une œuvre pastorale dans sa présence. Puis repose-toi et adore. De ne perdre de quelle façon qui anime ton âme. Prends le temps de le faire. Parce que moi et ma famille, bien, on est encore en train de faire l'état d'expérimentation. Peut-être que tu vas essayer un jour. Hop, c'est peut-être pas une bonne journée pour le faire. Et un autre jour, ça va être mieux. Mais essaye. Prends l'effort. Repose-toi. Va contre le courant de ce monde qui nous entoure. Et prenons le temps de faire une déclaration de foi que ça ne prend pas que je sois esclave de mon travail, mais je peux me reposer en lui parce qu'il est celui qui pourvoit à mes besoins. Il est ma force. Il est mon soutien. Il est mon salut. Prenons le temps de vivre dans le repos. Pourquoi? Parce que s'arrêter avec Dieu nous permet d'être capable d'avancer avec lui. Amen. Alors, levons-nous ensemble, faisons une prière pour finir. Alléluia, Seigneur. Vraiment, ça va donner toute la gloire et toute l'honneur. Et tu vois, ce rassemblement des saints, de tes enfants, les enfants de Dieu. Père, on ne veut pas vivre comme le monde essaie de nous imposer de vivre. On veut vivre comme tu désires qu'on puisse vivre. On veut avoir un rythme qui te donne la gloire et qui t'honore. Viens parler à nos désirs.
que si nous étions pris avec ce Dieu de l'accumulation et de l'accomplissement, fais que cette idole puisse sortir de nos vies pour que tu sois le centre de notre attention. Fais que notre premier appel comme enfant de Dieu soit notre priorité. Emmène-nous à réellement vivre ton repos, que tu es la source de provision que nous avons besoin. Donne-nous notre pain quotidien. Sois glorifié, sois exalté et fais qu'on prenne le temps de s'arrêter avec toi pour qu'on puisse être capable d'avancer avec toi pour activer ce mode de vie prospère. C'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus. Amen et amen et amen. Come on! Donnez gloire à Dieu, tout le monde! Come on! Allez dans la salle, exaltons Jésus, yes! Amen! Parfait! Que Dieu vous bénisse, je vous aime et on se voit la semaine prochaine. Much love tout le monde!